Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galen pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Zéphon, découverte à la sortie du jeu. On a précédemment tout petit peu trahi la cheftaine avec qui on voulait être pote, mais au final on a été plus fort qu'elle. Mais c'est juste parce qu'elle voulait pas être notre vrai pote. Et on avance. Hop. Ah, j'aurais dû en mettre un dans le maraudeur. Donc on va avancer par là. On sait que il y a le joueur bleu. Qui est le tribunal furtif Natalia Victoria, je sais pas quel est le nom de la troisième déjà, qui va nous embêter tôt ou tard. On veut des métaux, on en veut plein. Et fin de tour. Plus 10% aux attaques si l'unité ne s'est pas déplacée. C'est très très fort en lien avec la stratégie de guérilla, c'est vraiment très très fort. Cinéma. Cinéma. Ah oui, c'est ça. Allez, donc si on met ça, c'est. Bloc d'habitation. Sur une même case où il y a un holocinéma, ça donne un bonus d'énergie en plus. Ouais. Alors, on va prendre le satellite, on va voir ce que ça fait. Si on veut faire boum boum depuis l'espace. Hop. Alors, ceci dit, là, maintenant, je suis en terrain inconnu. Est-ce que... Ah oui, et le malus de précision. Pas de dégâts ni malus de déplacement dans le blitz, ça c'est très très fort, donc ça me permet d'aller voir par là. Ah bah voilà. Ok, la ville bleue est juste là. Donc, on va devoir appliquer la même stratégie que précédemment. Hop. Du bleed, de créer du bleed. Fin de tour. Un effet il se téléporte depuis le bleed vers une case de bleed en vue. D'accord. Ah oui, c'est fort ça. C'est très très fort. Présage, plus 17% d'attaque contre l'unité. Ok. Et justement, là, c'est son QG. Donc, c'est là que ça attaque. Ça tire à quelle distance? Ici, ça peut m'attaquer. Donc, on va rester. Dommage.
En retrait, c'est pas possible. Zut. Il va pouvoir attaquer. Lui mettre son sa défense passive. Si je fais ça, logiquement ici il va me tirer dessus. Donc je vais m'arrêter là. Hop. Et fin de tour. Satellite Icarus. Capacité satellitaire Icarus était une arme développée par une entreprise de l'ancien monde nommée Icar Corp. Mais jamais activée, pendant trop longtemps, nous avons cru que ce n'était qu'un mythe. Puis la Renégate est apparue avec le chaînon manquant, une clé d'autorisation qui la faisait passer pour le PDG d'Icar. Elle seule pouvait faire appel à la puissance de feu de l'Icarus. Même si quelqu'un l'a tué et s'emparait de la clé, il ne parviendra jamais à décrypter les couches de cryptage qu'elle avait placées sur ce fichu engin. Et ben on va voir ce que ça donne. J'ai plus précis, je m'en fous un peu. Alors, je peux faire des drones de combat à l'exterminateur. Ah, ça c'est fort aussi. Tracker arachné. Déviation liquide. Ça, je sais pas ce que c'est. Modification pour l'amélioration de déviation liquide. Ah, c'est. D'accord. C'est ces trucs dont je me suis encore jamais servi. Vais me dire que je vais m'en servir en main. Non. C'est pas ça que je veux chercher, c'est ça. Ça, c'est vraiment fort. J'ai eu l'occasion de les tester. Je les ai pas du tout les 30. Alors ceci dit, je pourrais peut-être me les acheter grâce au Concordat. Ça me coûterait 10. Et ça me permettrait de lancer la production de l'une de ces unités. Tout de même. Ok. Alors là, il a commencé à m'attaquer. Ce qui est relativement logique. Le problème, c'est que je ne sais pas où sont ces troupes. Ce n'est pas une bonne chose. Que c'est complètement à découvert. Là, j'ai au moins un tout petit peu de protection. 33% de réduction des attaques à distance. Ah oui, la collée du brouillard, l'anachorète, puisqu'ils sont alliés. Je vais me faire un petit coup de soin. Je vais remonter dans mon engin. Je vais aller jusque-là.
bien, là il n'y a rien ni personne. Je peux aller chercher ça qu'ils ont gentiment laissé, l'anti-déformé. Moins 2 de morale à l'ennemi attaqué. Ouais, c'est pas ouf, mais on va le prendre. C'est toujours ça de pris. Pas que tu attaques. Ça me coûte 4. 12 de dégâts. 7. Ça ferait que 2,6. Wouhou. Ouais. Ah, mais c'est qu'il doit avoir une. C'est ça là. 2 tours encore. Contre les armes de tir. Tu vas t'auto-infliger des dégâts à chaque fois que tu vas tirer. Tac. Ouais, tu vas te mettre là. Moins 2. Bah ouf. Hop. Tu vas là. C'est un peu logique hein, qu'il vient de se défendre. Lui, je ferai la même. Hop, on monte là. Et toi, tu vas ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser. Je vais pas attaquer. Histoire de leur permettre de tirer sur les unités qui vont m'arriver dessus. Donc là, je n'attaque pas là non plus. Alors, tout ce que je peux faire ici, c'est capturer une case, en toute logique. En algue, je suis toujours à la ramasse. Donc là, je peux rien construire d'autre parce que j'ai pas assez de minerais. Alors, c'est dommage, les blocs d'habitation et le théâtre ne sont pas sur le même. Sur la même zone, donc je ne peux pas bénéficier du buff. Je vais prendre la forêt encore. Et à mon avis, je vais prendre cher. Colère, relations sont dégradées à cause de votre guerre avec Anakorath. Alors, l'avantage est que lui aussi a pris cher. Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas d'avantage. Penser ses troupes. Je suis pas sûr que ça me rassure. Là, j'ai eu. Zéphon, ambivalence. Bonjour Gelden. Nous comprenons que cet appel a pour objet notre état de guerre actuel. Merci de patienter. Tu peux nous appeler Zéphon. Nous sommes une collectivité de processus intelligents auto-évolutifs. Vous et l'amélioration du monde. Nous sommes ton meilleur ami. Nous sommes ton seul ami. Notre analyse a déterminé que tu es un candidat approprié pour atteindre notre objectif. Cela ne te dérangera pas si nous te surveillons pour vérifier. Bien sûr.
Bonjour Gelden, nous constatons que tu es en guerre avec Anacoret, bien que nous ne puissions pas t'offrir d'aide pour le moment. Nous espérons que cette expérience te sera agréable. Bonne chance. J'aime beaucoup. Et donc, il est content parce que eh ben, ça plante. Ça a planté. Ça n'a pas planté. Je vais quand même lui proposer la paix. Et je veux bien payer quelque chose. De toute façon. C'est un petit échange de cartes, la connaissance du monde limité, hop, c'est bien. Est-ce qu'il veut faire un accord commercial? Plus, c'est que des choses que j'ai déjà. Très bien. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'alliance? Non. Il ne veut pas. Alors, il est en paix avec le soldat. Ok, en guerre contre les deux autres. Très bien. Et du coup, j'ai la vision sur le soldat défunt. Pas le temps pour les subtilités, pas tant que nos hommes sont au front. Je suis Ezra. Ceux qui se tiennent à mes côtés savent que je fais ce qu'il faut pour eux. Sachez que je les protégerai toujours, même ceux qui se dressent contre moi. Mais ceux qui se dressent contre moi, point de suspension. Nous avons des guerres à mener, des monstres à tuer et des kilomètres à parcourir avant de dormir. Il est en coopération parce que il est en guerre contre l'Anachorète. Très bien. Eh ben, faisons la paix. Très bien. Et il a coupé la communication derrière. Ok. Alors, ah ok, c'est pour ça que il a fait demi-tour. Ils sont vachement proches. Waouh! C'est même surprenant que Zéphon ait tenu tout ce temps. Il est vraiment entre les deux, quoi. Pour le coup, l'humain, lui, il est tranquille. Parce que je peux. Ah, si je peux proposer un échange de cartes. Ok, accord commercial. Sympathie. Très bien. Alliance? Pas pour l'instant. Donc, il y a moyen que je m'allie à deux. Et du coup, bah, d'accord. Donc, au centre, il y a une grosse masse d'eau. Ok. Il a déjà deux villes. D'accord. Sa ville principale est ici, sa ville secondaire là. Bon, la ville secondaire n'est pas vraiment en direction du front, mais. Ok. Bon. Ça m'intéresserait de savoir quelle est la puissance de Zéphon. Est-ce qu'il est sur le point de craquer ou pas en fait? Je vais faire une petite sauvegarde parce que quand même, c'est pas méga stable. Je rappelle que c'est un. Je suis sur une version pré-release, donc pas forcément exemple de bug. Tiens, je peux te soigner, toi. Hop. Parce que t'as l'air de vouloir me faire bobo. Je peux te soigner deux fois même. Hop. Là, je fais 4,3, puis là je fais 2,6. Sauf que là, je risque de me prendre des dégâts par cela. Alors, sinon, je me mets en défense. Sinon, ouais, je pourrais aller là. Ah zut, pas de bol. Pas de bol.
Ok. C'est en plein air, s'il les tue, c'est pas bien grave. Et je préfère qu'ils les prennent eux pour cible. Donc, mes unités. Je perds un peu de temps. Et je m'interroge un peu sur comment va se passer ce tour. Il fait demi-tour. Ben, ok, qui s'attaque à Zéphon, moi ça me va. L'anachore était en colère. Parce que je suis en accord commercial avec Zéphon. Eh ben, c'est pas grave. Okay. Bon, bah là, je donne tout. Je mets tout sur. Sur lui. Alors. Go. Là, je vais quand même capturer son truc. Toi, qu'est-ce que je fais avec toi? Tire jusqu'où? Tu tires jusque-là? Allez. Hop. J'ai pas réussi à en tuer un, zut. On se déplace pas. Qu'est-ce que je fais de toi? Je vais te refaire la surcharge du système. Action, ordre à la ville. Capturé, sauf que. Je donne plus de métal. Il en est où là? Je fais plus 5 par tour. Ça fait pas beaucoup. Donc je vais redépenser. Hop. Histoire d'avoir 20. Je vais me refaire. Tu as plus 0,7 de loyauté. C'est important de le repérer. Plus 1,5 minéraux sur les falaises. Ça n'a pas le trait falaise, dommage. Ouais, ça veut dire que cette zone-là serait intéressante. Parce que. Mais bon, j'ai pas le truc. Bassin de chaque imprimé. Ouais, ça j'en ai pas assez. Tac. Les drones de combat. Bon. Et là qui va pop. Non, 5 tours. D'accord, donc là. Ça y est, là maintenant il arrive. En force. Alors ceci dit, c'est peut-être un tout petit peu tard, mon lapin. Parce que là, je suis pas sûr que tu termines le tour. Qu'est-ce qui m'a tué? Il m'a tué le vestige acrine. Très bien. Bon, tant pis. Sais pas si je vais. Ouais, non, je vais pas faire assez de dégâts. Je pense même si je lui mets tout sur la tronche.
Aïe. Si je peux faire ça. 4,6. Allez, si on... 7, il ne reste vraiment plus rien. Là, je le tue. Yes. Étions 3. Clotos, Atropos, Lachesis, jeune fille, femme, vieillarde, fils, père, esprit. Maintenant, par vos actions, nous sommes séparés. Mes deux compagnes gisent devant nous. Comme l'Anachorète, je suis prisonnière d'un présent constant. Sans mémoire ni préscience, funeste destin pour les promesses qui étaient nôtres. Très bien. Et du coup, les unités deviennent neutres. Ce qui facilite un peu les choses. Si je risque quand même de prendre cher à ce tour-ci. Là, j'ai trouvé. J'ai la compétence ultime. 5 tours de recharge, attaque toutes les unités adjacentes, d'accord. Donc c'est un mode on se met au milieu et on balance la sauce. Très bien. Très très bien. Est-ce que j'ai des unités un peu fragiles? Oui, mais les transports sont trop loin. Au milieu des autres. Déjà déplacé. Tu vas aller récupérer un peu de vie. Là, je vais rester derrière. Là, je vais me mettre bien devant. Kill me, I'm famous. Ah, là, j'ai pas fait mon action même. Hein? Alors, dans ce cas-là, je vais. Hop, j'avais encore une attaque. Soignez lui. Il est bien son heal. Toi, tu vas rester là. Et c'est une fin de tour. Les signes du désespoir. L'Anachorète a repris la parole sur les ondes. Il semble particulièrement agité. Pleurer la perte de mon peuple, massacré par Zéphon, déclame-t-il dans un micro. Entendre le bruit écrasant des usines de Zéphon qui grondent dans la nuit. S'interroger sur l'arme qu'il forge dans les profondeurs. Les profondeurs. Ça, c'est nouveau. Zéphon fait comme si les usines n'existaient pas. Mais si leurs marchandises sont expédiées sur la côte, au fond de l'océan, personne ne saura jamais ce qu'ils fabriquaient. L'Anachorète poursuit. Se souvenir que notre mission sur cette planète était un génocide, énonce-t-il lentement. Espérer que la mission était morte avec la flotte Akrim. Vous crispez en attendant la suite. La flotte est toujours en orbite. D'horribles créatures de guerre dorment dans ses entrailles. Comment le sait-il? Personne ne devrait pouvoir accéder à la flotte. La voix de l'Anachorète faiblit, comme s'il pouvait entendre une pensée malgré la distance. Préparé, il se reprend. Et poursuit d'un ton plus dur. Savoir que nous devons faire le nécessaire pour empêcher notre propre génocide. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors, ça, c'est des belles saloperies, parce qu'il faut savoir que ça peut prendre le contrôle. Comme les créatures neutres sur Gladius, si vous avez déjà joué au jeu. C'est assez chiant. Donc dès qu'on a un moral un peu faible, bah ça, on se retrouve avec des unités qui peuvent passer d'un camp à l'autre. Bien. Et ben...
Je peux redonner de la vie. J'avais pas vu. Pas de la vie de la population. Sauf que là, c'est bon. Population, maintenant, je suis bon. Donc, j'ai pas besoin d'en redonner. Alors, ben on va faire le ménage. Cinq, bim. Beaucoup moins efficace parce que j'ai pas de quoi les approvisionner. Hop, un petit dégât subi. Et activer. Tiens, je vais soigner toi et je vais activer mon attaque de zone. Ninja! Efficace. Toi, t'as déjà tiré. Toi aussi, toi aussi. Toi, tu t'es soigné. Toi, tu peux tirer. Toi, tu peux tirer. Et ça le tue. Yes. Ah ouais, ça fait gagner max d'XP, la vache. Bien. Toi, je m'en fiche. Toi, tu as le level up. Ça, c'est fort en fait. Ça peut être très très fort. Mais tu as déjà fait ton action, j'ai pas besoin de te déplacer. Toi, même chose, même chose. Fin de tour. Les drones de combat. Hop. Qui vont pouvoir être lâchés par mon bestiaux. Hop. Imprimante synthétique. Il faudrait peut-être que j'en construise si je peux. Mais je peux sans doute pas. Sans savane. Je vais faire ça. Je vais voir si je peux pas m'en servir. Est-ce que je peux me faire des snipers là? Non. J'ai pas assez de métaux, comme c'est original. Est-ce que j'ai un peu d'influence? Oui, mais pas des masses. Est-ce que je peux me mettre bien avec Zéphon? Ouais, mais je voudrais garder mes métaux là. Est-ce que je peux lui proposer de faire un accord commercial? Oui. Est-ce que il a fait... Non, il n'a pas fait de commerce. Il veut pas.
Bien, alors, faisons, continuons de faire le ménage. Je sais que j'ai une petite saloperie qui se balade. Mais je voudrais faire PEX, un maximum d'unités. Toi, tu vas d'abord soigner lui. Essayons d'optimiser. Et des dragons. Des fois, on va trouver que je m'approche un peu trop de lui, mais. Ah mince. Si. J'ai déjà agi, donc je peux faire ça. Alors, toi, tu attaques là. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, on s'attaque à lui. Ordre aux unités, level up. C'est son attaque. Et fin du tour. Saloperie. Il recule là. Bon, on va finir le nettoyage. Bim, one shot. Dans le transport. Je vais me mettre là et une petite attaque. Ah oui, en plus je l'empêche de se soigner potentiellement. Ça peut servir. Ah zut, c'était les lacrines. Yes. Je peux faire ça. Oui, du coup, sauf que du coup, je n'ai plus de métaux.
Je termine. Alors, voilà. Sauf que ça veut dire que j'ai besoin d'influence. Le moteur spatial, vous ne dormez jamais bien. Comment pourriez-vous? Il est impossible de dormir en entendant les bruits de la lutte. C'est Zandra Kain, une ingénieure respectée bien qu'excentrique qui se bat avec vos gardes. Après des jours et des nuits à synthétiser les technologies de Zefo et des Akrin, elle a trouvé quelque chose à base de tachyon qui dépasse les deux camps. C'est du moins ce qu'elle prétend. Personne d'autre ne comprend suffisamment la technologie pour suivre ses révélations, mais elle pense pouvoir voyager dans l'espace-temps. Elle suggère de l'utiliser pour découvrir le but des Akrin ou les origines de Zefon, mais il n'y a qu'une fenêtre limitée pour le déployer. Jusqu'à présent, elle vous donnait l'impression d'être une folle inoffensive, mais lorsqu'elle commence à énumérer les ressources dont elle aura besoin pour que ce soit sûr, vos conseillers sont effrayés par le coup. Elle affirme être certaine de réussir cette fois. Rassembler les ressources, le coût est acceptable si on le compare au gain. Laissez l'ingénieur essayer. En cas d'échec, elle paiera. L'enfermer, nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Confier quelque chose d'autre qui dépasse Zefon et les Akrin à cet ingénieur semble insensé. Eh ben, on va rassembler les ressources. Exécuter l'ordre payé Zandra Kain en 20 tours. Ouf. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est les ressources avancées que j'ai pas du tout. Envisager la paix avec un tiers. Non. Non, j'ai pas. Y a les possibilités de diplomatie sont relativement importantes dans ce jeu. C'est plutôt sympa. Voilà, on peut avoir une influence sur. Sur bah, est-ce que on va faire la paix, est-ce qu'on va faire. Enfin voilà. Entraîner nos alliés dans un sens ou dans l'autre. Bon, et eh ben, payez en Brakine, on va y réfléchir, mais ce sera au prochain épisode seulement. Merci d'avoir suivi celui-ci. Je vous fais le bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.